Vous avez envie de chanter, justement? Tiens, Mohamed, allez, c'est l'heure, on va chanter. Bah, parce qu'en fin d'émission, il y a un live dans C'est à vous, généralement. Ah, oui. On chante quoi? Bah, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. Allez, 80. Non, ça, je maîtrise pas, je monte pas sur les aigus. J'aime bien Kenji. Allez, on y va, vas-y. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses, le temps s'arrête. Je perds la tête. Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse. Quand tu danses. Bonjour, bonjour tout le monde. Incroyable. Là, j'entendais quelque chose, là, ça va, Bertrand? Ça va, tout le monde? Ça va bien, merci. Il y a Kenji comme ça. J'étais obligé de venir quand j'ai entendu. Attention, John Lennon. Vous avez fait quelques fausses notes quand même. Aïe, aïe, aïe. Vous avez fait quelques fausses notes, je veux dire, bien sûr. Je peux la chanter avec vous? Oui, je crois. Allez, vas-y. Non, je rigole. Carrément. Quand même mieux. Quand même mieux que toi. Ah ouais, merci d'être avec nous, Kenji. Avec plaisir. C'est pas mal ce que j'ai fait. C'est vrai, ça, j'avoue quand même. Kenji, qu'on ne présente plus. Alors là, c'est l'autoroute du succès. Vainqueur de la saison 3 de The Voice. 5 Energy Music Awards. Le 5e album de Kenji, L'école de la vie, est sorti mi-novembre. Mi-novembre. On est fin décembre. Il est déjà disque d'or. Incroyable. Merci beaucoup. Des collaborations, des duos avec Florent Pagny, Soprano, Naps Vianney. Mmh. Et dans cet album, et ça c'est très mignon, vous aviez chanté Les yeux de la maman pour votre maman. Et là, exactement, vous dédiez un titre à votre fille Eva. Petite princesse, oui. Titre qui a été écrit et composé par Juliette Armanet et Renaud Rebillot. Et vous nous faites l'honneur et le plaisir de nous en chanter un extrait. Alors. Dans tes yeux, je vois monde autrement. Dans tes yeux, Eva, tout mon amour en grand. Dans tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. T'as fait de moi un papa. Le plus beau des présents. Yeah! Bravo! Bravo, Kenji! Merci beaucoup! Merci! Kenji, vous aviez repris Petit Papa Noël en 2018. Exactement. Et là, cette année, vous faites une autre prise de Noël. Mon beau sapin. Mon beau sapin. Oh. J'adore le chant de Noël, bien sûr. C'est magique. Et... Qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, toujours des meilleurs souvenirs. Mon moment préféré de l'année depuis que je suis tout petit, ben, parce que bien sûr, mon seul moment que j'attendais, c'était d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. Et d'être en famille, de voir tous les cousins, chaque fois tous ensemble. C'est un moment très, très joyeux et très attendu à chaque fois, que j'attends avec impatience. Et même encore aujourd'hui, même si j'ai 26 ans, eh ben, j'attends Noël avec impatience. Les lumières, les sapins, les gens, les pulls rouges... C'est magnifique, ça. Ouais, on est beau, franchement, c'est magnifique. Moi, j'attends mes cadeaux, déjà. Ça va être un peu long. Bah, j'attends mes cadeaux aussi. Mais on a déjà Kenji qui nous a fait un cadeau. C'est vrai, bien sûr. Ouais, c'est vrai.